Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue devant eh bien, ce nouveau gaming news qui sort à 7h comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredis, vous commencez à avoir l'habitude sur la chaîne. Deux choses à rappeler au début de ce gaming news, la barre de défilement en bas de votre écran pour aller directement vers le sujet qui vous intéresse le plus pour ne pas perdre votre temps le matin, qui je sais est précieux avec votre café, et dans un deuxième temps, les sources. Toujours... En description de tous les sujets abordés dans ce gaming news. Commençons directement et eh bien par l'énorme actualité du côté et eh bien de Electronic Arts. Tous les FIFA ont été Supprimé. Alors oui, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien ce qui est en train de se passer euh, sur Internet. Vous le voyez juste ici, effectivement, le jeu de football annuel d'Electronic Arts, désormais appelé EAFC, Electronic Arts Football Club, ne porte plus le nom de FIFA. Vous le savez, Electronic Arts a divorcé avec la FIFA, on va l'appeler comme ça. Et toutes les entrées précédentes de la série ont été supprimées de toutes les principales vitrines. Nintendo Switch, PC, Xbox, PlayStation. Vous ne pourrez plus... Acheter ou télécharger, eh bien, FIFA sur vos machines. Tous les titres FIFA de 14 à 23 ne peuvent plus être achetés. FIFA 22 et 23 peuvent toujours être joués pour l'instant via l'Electronic Arts Play, mais il est fort à parier qu'effectivement la sortie officielle de EiFC, eh bien, c'est vendredi et à mon avis on ne pourra plus du tout y jouer d'ici là. Alors. Est-ce que cette décision est choquante Non, c'est assez habituel d'ailleurs. Enfin, habituel. C'est assez logique finalement que FIFA, euh, enfin, qu'Electronic Arts décide finalement de laisser tous les FIFA de côté parce que ben, c'était un partenariat qu'ils avaient avec FIFA. FIFA était payé aussi via ces jeux lorsqu'il y avait des achats, etc. Donc, vu qu'ils ont, entre guillemets, divorcé, ils n'ont pas renouvelé le contrat euh, avec la FIFA, et bien ils ont décidé de tout supprimer. Donc, si vous l'avez installé. Gardez-le euh, quand même parce que sinon Vous ne pourrez plus euh, très certainement y jouer Mais il y a une deuxième actualité autour De Electronic Arts Football Club Vous l'avez peut-être suivi mais le jeu sort Également sur Nintendo Switch Et il sort notamment, alors je vais mettre La petite, euh, petite bande-annonce juste derrière moi Il sort notamment avec Un nouveau moteur graphique Oui, c'est la première fois qu'effectivement FIFA FIFA sur Switch, ça sera pas de l'arnaque Parce que bah, c'est plus FIFA, vous le savez C'était la fameuse vidéo habituelle de toute l'année C'est de l'arnaque, c'est ce qu'on avait l'habitude de faire sur FIFA euh, Nintendo Switch avec ses éditions essentiellement de la merde on va rappeler le encore une fois mais cette année pour le changement pour Electronic Arts Football Club et eh bien Electronic Arts a décidé de passer un nouveau moteur comme je vous l'avais déjà dit le moteur Frostbite qui était d'ailleurs déjà utilisé sur la Nintendo Switch chez des jeux EA notamment c'était Plants versus Zombies en ligne si je dis pas de bêtises du coup avec ce nouveau moteur graphique on va avoir un jeu plus joli. Alors, très certainement pas à la même hauteur que la version euh, PS5 et Xbox Series ou PC évidemment, mais un jeu qui sera beaucoup plus joli. Et par contre, il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est que la Nintendo Switch, c'est pas une PS5, la Nintendo Switch, c'est pas non plus une Xbox Series. Donc si on utilise le même moteur graphique, il y a forcément quelque part où il y a une concession. La première concession Évidemment, c'est enlever quelques textures. On va réduire un petit peu les graphismes. On va aller toucher là où effectivement on peut réduire des trucs, comme bah, par exemple le public, qui sera moins joli. Peut-être que les visages du public seront moins fins, pareil pour les traits de certains personnages. Mais finalement, là où bah, le bas blesse entre guillemets pour Electronic Arts Football Club sur Nintendo Switch, c'est bah oui, c'est le frame rate. Et c'est là finalement où le bas blesse parce que, effectivement, Electronic Arts le parle, notamment c'est Doru Logigan, le producteur délégué de FC24 qui le dit. En arrivé à ce point où Frostbite fonctionne sur Nintendo Switch, je pense que c'est déjà un énorme accomplissement pour l'équipe. Et nous sommes ravis d'avoir les retours des joueurs et les réactions des joueurs à partir du moment où le jeu sera sorti. Mais. Ça, si effectivement ils sont contents, il y a une autre déclaration qui est juste en dessous. Il le dit, en ce qui concerne la façon dont nous envisageons les prochaines versions du jeu, je ne peux malheureusement pas le dire, je ne peux pas en parler, mais en ce qui concerne FC24 lui-même, il bénéficiera du même service en direct après le lancement que les autres plateformes de jeu. Cependant que le jeu tournera en 30 fps et non pas en 60 fps comme sur les autres plateformes. Ça a été confirmé, vous le voyez en haut, ici, là, à IGN par Electronic Arts, il tournera en 30 fps. Oui, alors si effectivement auparavant le jeu FIFA 23 tournait en 60 fps sur Switch parce qu'il n'y avait rien à afficher, eh bien celui-ci tournera en 30 fps. Alors, bon, c'est vrai que je suis le premier à le dire, honnêtement, je joue beaucoup à la console. Les 30 fps sur console, quand c'est pas un jeu de tir à la première personne, ça me choque pas énormément. Maintenant, il va falloir voir le framerate quand même, parce que si c'est stable à 30 fps sur un jeu de foot, bon, ok, si on joue tous avec la version Nintendo Switch à ce moment-là, je la testerai vendredi. N'oubliez pas que j'ai acheté le jeu à la Fnac, je le reçois vendredi, donc jeudi soir ou vendredi, ça va dépendre de quand on livre à la Fnac, et je vous en ferai une vidéo pour tester un petit peu tout ça. Je sais que vous l'attendez beaucoup, donc n'hésitez pas à le checker sur la chaîne quand ça sera disponible. Mais encore une fois, comme il le dit, voilà, il fallait faire une concession quelque part. Avoir un même frame rate que les autres versions consoles, ce n'était pas possible si on voulait le faire sortir avec le nouveau moteur. Donc c'est déjà une bonne chose qu'effectivement le jeu Electronic Arts Football Club tourne sur Nintendo Switch. Maintenant, bah, la concession elle est là, elle est en termes de frame rate, et vous allez peut-être le voir sur ces images qui sont les images de la version Nintendo Switch hein, que vous voyez juste là. Bah, évidemment, les joueurs sont moins beaux, c'est un peu moins fluide que sur les autres supports, mais ça tourne. Maintenant, comme je vous l'ai dit euh, encore une fois, je serai le premier à le tester, bah, du coup, jeudi-vendredi, puisque j'ai ma petite version boîte qui arrive, j'ai même avec le petit guide, d'ailleurs, à la FNAC, ils offraient le guide, donc c'était assez sympa, euh, à voir maintenant euh, comment ça va tourner. Deuxième grosse actualité euh, de ce matin, et c'est notamment une actualité assez, euh, assez actuelle, vous allez me dire, oui, c'est une actualité actuelle, c'est logique, Edouard, oui, mais en fait, on va parler cloud gaming, on va parler popularité, on va parler Netflix, on va parler euh, finalement jeux en boîte, il y a une grosse levée de bouclier ces derniers temps concernant, ben là, vous savez la, la fameuse potentielle Xbox Series X nouvelle génération qui remplacerait potentiellement selon certains eh bien, la, nouvelle, la précédente Xbox Series X où il n'y aurait plus de lecteurs passant sur du tout digital, alors évidemment il y a une grosse levée de bouclier euh, des gens qui défendent les jeux en boîte, Et vous savez que je suis un gros collectionneur de boîtes donc je peux comprendre encore une fois, maintenant il est vrai que la période du Covid a aussi montré que les gens aiment bien avoir les jeux facilement et rapidement. Et depuis quelques années, je le vois fleurir un peu partout dans beaucoup de magasins. Et quand je me balade dans les magasins de, de cash, quand je me balade dans les magasins, euh, je sais pas, Leclerc, euh, je vais toujours dans les, dans les rayons jeux vidéo, etc. Et je croise souvent des gens qui discutent entre eux. Et j'ai souvent la même phrase qui revient Oui, mais ça serait pas plus facile si on le téléchargeait en ligne plutôt que se déplacer en boutique. Je sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme toi, moi, nous peut-être aussi, qui ont cette idée ancienne de « Ok, j'aime avoir ma boîte à la maison, j'aime le fait de pouvoir revendre mon jeu quand je l'ai terminé, etc. etc. » Et ce que je peux comprendre maintenant, c'est vrai que plus le temps avance, et c'est triste, on est tous d'accord là-dessus, plus le temps avance, plus je trouve que les boîtes ne servent à rien. Alors, sur Nintendo Switch, ça sert encore à quelque chose, mais quand tu achètes une galette de la Xbox Series X ou une galette de la PS5 et tu la mets dans ta machine et qu'il faut télécharger 100Go derrière... En fait, j'ai juste l'impression que le, le disque te sert à avoir une licence en mode, ok, t'as le droit de jouer à ton jeu, voilà, tu peux le télécharger. Et en fait, c'est extrêmement frustrant parce qu'au fur et à mesure, on a vu les choses disparaître de ce côté-là, en mode, il a plus de livrets dans les jeux, dans les, dans les versions boîtes, sauf pour les éditions ultra collector ou, les jeux, euh, ou les, jeux, les jeux indépendants. Les CD, les Blu-ray n'ont presque plus rien dessus parce qu'il faut télécharger énormément de choses au lancement. Ça veut dire, le temps où tu pouvais lancer ta cartouche ou ton CD quand tu mettais ça et que tu arrivais chez toi, il a un petit peu révolu. Alors, à l'heure actuelle, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport au cloud gaming. Il y a aussi les discussions de est-ce que c'est intéressant écologiquement par rapport au reste. Alors, est-ce que c'est plus écologique de jouer sur du cloud gaming ou est-ce que c'est plus écologique d'imprimer de, des boîtes et d'utiliser des CD, de l'énergie pour graver des trucs, etc. J'en ai aucune idée. Si vous avez des, des, si vous avez des liens d'articles, je suis preneur, mais en tout cas, à l'heure actuelle, personne n'a... De, à mon sens, fait de vraies études pointues par rapport à ça, parce que la comparaison est très, euh, est très, euh, est très compliquée. Du coup, chez Ubisoft, eh bien, le CEO, donc Yves Guillemot, est persuadé que le cloud gaming, c'est l'avenir du jeu vidéo, et que ça va devenir aussi populaire que Netflix. Et en vrai, bah, quand on voit l'évolution actuelle des choses, quand bien même elle est triste, je pense qu'il a raison, je pense qu'il a raison, où effectivement à l'heure actuelle, vous êtes beaucoup à ne plus acheter de DVD, à ne plus acheter de Blu-ray et à simplement aller sur Netflix avec votre petite télécommande, vous appuyez sur lecture et votre film se lance et c'est incroyable. On est tous d'accord que c'est incroyable. Alors, est-ce que Netflix a tué l'industrie du cinéma Il y a des interrogations par rapport à ça. Maintenant, je considère que le cinéma existe encore. C'est cher le cinéma, on est tous d'accord par rapport à ça. L'abonnement Netflix, il est de plus en plus cher aussi, mais il y a aussi beaucoup de propositions. Ils font des partenariats, Netflix qui arrive dans le jeu vidéo aussi également. Donc, il y a toujours cette question et c'est pour ça en fait. Moi les gaming news, c'est ce que je vous ai dit, je suis pas en train d'inventer des actus, je suis en train de partager une actu, donner mon opinion et surtout pouvoir discuter, pouvoir discuter entre vous dans les commentaires et surtout écouter et lire vos avis. Moi, je suis persuadé que le cloud gaming, c'est l'avenir du jeu vidéo. Se dire que tu as ton téléphone portable Claque, tu lances, t'as pas besoin d'installer le jeu, hop, tu joues à un jeu, as, tu branches ta manette, etc. T'es sur ta télé, on le voit avec les téléviseurs Samsung et euh, le Game Pass et le X Cloud. T'as un téléviseur Samsung, t'as pas même pas besoin de besoin c'est console. De dire tu lances ton truc, tu joues à ton jeu, c'est incroyable comme truc. Alors oui, effectivement, c'est triste pour les collectionneurs, ceux qui aiment bien avoir les étages, les étagères pleines de poussière, comme moi, parce que c'est compliqué, mais euh, je nettoie avec, euh, <laughs> avec avec les petits plumeaux euh, Et voilà, c'est le côté. La praticité du jeu. Il y a des gens qui n'ont absolument rien à faire en fait de pouvoir leur vendre, qui n'ont absolument rien à faire d'avoir les boîtes et qui veulent juste jouer au jeu. Et je peux comprendre. Maintenant, il y a aussi ceux qui veulent se dire, ok, bah moi si j'en veux plus du jeu, bah, je peux le revendre. Et ce que je comprends aussi totalement. Et c'est peut-être là-dessus que le cloud gaming est un peu, euh, est un, peu un problème de ce côté-là. Maintenant, la solution serait peut-être aussi de se dire, ok, bah finalement tu peux acheter une boîte dans lequel tu aurais un accès à ton jeu que tu peux peut-être revendre en cloud gaming. Je sais pas ça serait génial t'imagines de dire t'achètes déjà une licence tu peux jouer partout ça serait génial mais bon Xbox commence à le faire avec ses jeux PC et Xbox encore une fois mais bon ça à mon avis pour la démocratisation de ça ça va être un petit peu long et compliqué donc oui voilà effectivement Yves Guillemot est persuadé que le futur du cloud gaming c'est la popularité de Netflix de pouvoir lancer un jeu comme on lance un film juste en cliquant dessus et en y jouant avec un bon débit bah, la grosse, c'est la grosse question, moi je suis persuadé qu'il a raison, même si c'est un petit peu triste pour les côtés collectionneurs, parce que euh, c'est bien d'allumer sa télé et dire « Ah oh, regarde, j'ai une, une grosse collection de jeux !» Ah ouais, c'est impressionnant Alors que tu montes tes étagères, tu dis « Tiens regarde, j'ai une grosse collection de jeux, qui est d'ailleurs là euh, où je montre. Mm, » Voilà, c'est toujours... Euh... Je comprends les deux côtés, je comprends les deux côtés, et euh, moi qui suis un grand collectionneur et qui aime les jeux en version boîte avec les fascicules, ça me manque aussi, ça me manque aussi, mais... Bon, bah, c'est toute une époque aussi. C'est toute une époque. Il y a plein de choses qui ont changé. Est-ce que c'était mieux avant Non, c'était différent. Je pense que, voilà, faut pas faire le vieux con non plus à dire Ah, oh, c'était mieux avant. Voilà. Oui C'était mieux avant. Là, je fais le vieux con. Mais bon, c'est l'évolution et c'est chouette aussi de pouvoir jouer rapidement comme ça à un jeu. Maintenant, évidemment, le côté marché de l'occasion, ça fait tourner aussi beaucoup de boutiques. C'est aussi triste pour certaines boutiques. Et, et je peux comprendre aussi euh, ça de ce côté-là. Donc, je comprends la levée de bouclier. Maintenant, bon bah, inéluctablement, euh, Internet, a, Internet a envahi nos vies, on le voit bien euh, ces dernières années avec les téléphones portables. Je veux dire, à l'époque, on avait un téléphone portable, on se disait, ouais, mais non, Internet, c'est quand même chouette quand on est devant son ordinateur, clac 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 machin. Maintenant, sur ton téléphone, tu as absolument tout Internet. Plus personne ne se dirait, ah ouais, mais non, je veux rentrer chez moi pour aller sur mon ordinateur, pour aller accéder à Internet. Non, maintenant, tu as Internet partout, c'est sur ton téléphone, etc. C'est pareil pour les appareils photo, vous savez qu'il y, y a deux clans qui s'affrontent, il, il y a les clans des, ah, oh, je vais acheter un téléphone à 1500 balles pour pouvoir faire des photos incroyables avec mon iPhone 15 Pro Et t'as les autres qui sont comme moi à dire Ouais bah écoute moi je préfère à 1500-2000 balles Acheter un réflexe avec, avec un objectif Et me faire mes petites photos derrière Voilà mais je peux comprendre aussi il y a ce côté chauvin Pas chauvin il y a ce côté euh, voilà, le côté, moi j'aime les appareils argentiques, j'ai une collection avec des appareils photos. Euh, ben, C'est pareil, il voilà, y a toujours plein de trucs. iPhone versus Android, dématérialisé versus boîte, euh, Apple versus Android, je crois que j'ai déjà dit, euh, appareil réflexe versus appareil hybride, euh, appareil photo versus téléphone portable, etc. etc. Donc de tout temps, j'ai l'impression de commencer une vieille dissertation en fac de droit, de tout temps, les hommes se sont affrontés sur des sujets divers et variés. Bah en fait, c'est ça. Et inéluctablement, on va vers la praticité, on va vers ce qui est pratique, ce qui est utile et ce qui est rapide. Je pense que le consommateur actuellement, en fait, je pense que le joueur actuel, et c'est peut-être un peu triste par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement sur les réseaux sociaux, c'est que le joueur actuel n'est plus qu'un joueur, il est aussi un consommateur. Et il consomme plus qu'il joue au jeu de par le fait que... Énormément de jeux viennent abreuver le joueur de manière incessante et incessante. Vous avez à peine acheté un jeu qu'il y en a un autre qui sort. Vous avez à peine acheté ce jeu qu'il y en a un autre à terminer. Vous n'avez même pas terminé le premier qu'il y en a un autre qui arrive sur le pas de votre porte. Et finalement, à force d'avoir des jeux, des jeux, des jeux, des jeux, bah l'attente des joueurs est de plus en plus haute. Les éditeurs les proposent de manière de plus en plus rapide avec des finitions qui souvent sont pas de plus en plus. Euh Folle aussi il faut le dire Et voilà donc je pense que, que C'est un sujet de discussion qui est, qui est Super intéressant, qui est long Qui est sans fond et sans fin Mais je voulais l'aborder Avec vous aujourd'hui quand même dans, ce, dans cet article Enfin dans cet article, dans ce, dans ce sujet du Gaming News Qui était peut-être un poil long Mais que je trouvais assez utile et j'espère que vous y répondrez Avec plaisir allez On va terminer ce Gaming News avec, alors j'avais encore deux trois news Mais je vais en mettre qu'une parce que je me rends compte que j'ai Beaucoup beaucoup parlé ou alors Ou alors je le garde pour demain euh, je vais peut-être le garder pour. Bah, je vais garder, je vais garder ça pour demain. Non, vous savez quoi J'en parle aujourd'hui parce que c'est important. Euh, à partir, euh, à partir de dans pas longtemps, en fait. <laughs> eh bien, Persona 3 ici va avoir sa propre version boîte. Et ça, ça fait plutôt plaisir. C'est du coup chez Limited Run Games, comme d'habitude, avec pas mal d'éditions, donc PlayStation, Xbox et également Nintendo Switch. Dont, alors, il y a trois éditions. L'édition classique avec la boîte qui est pas donnée à 34,99. Sinon, on pourrait le télécharger en version digitale, puisqu'il sortira très certainement nulle part en version boîte. Peut-être chez Just For Games un moment. L'édition limitée ou effectivement dans l'édition limitée là c'est l'édition grimoire donc vous allez retrouver tout un grimoire avec un steelbook, un artbook, non steelbook, livre, boîte grimoire et la cartouche. Et puis surtout l'édition que je pense commander, on va pas se cacher, c'est l'édition ici portable S S S E E S edition ici. Regardez-moi ça, regardez-moi cette merveille, cette petite valise avec une petite reproduction de l'arme à l'intérieur, avec beaucoup de cartes, avec des badges, avec le brassard, avec énormément de trucs. Alors par contre, oui, évidemment, euh, elle coûte 199,99$ sans compter les frais de port et potentiellement les douanes, alors j'ai jamais eu de douane sur Limited Run Games mais bon, on sait jamais euh, de ce côté-là. Alors, ça sera disponible au moment où je tourne le gaming news, ça sera disponible dans deux jours, mais normalement au moment où vous regardez le gaming news, il y en aura beaucoup moins. Donc c'est à partir du 29 septembre, donc à partir de demain, voilà, au moment où on sortira ce gaming news. Et franchement, voilà, je vous le dis, je vais essayer de le commander quand même. À voir par rapport au budget, parce qu'il y a beaucoup de choses à acheter en octobre, il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'éditions collector que j'aimerais me procurer, donc euh, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà qui conclut le Gaming News d'aujourd'hui, et j'espère que ça vous aura intéressé, et surtout j'espère vous lire dans l'espace commentaire, parce que c'est quand même un gros sujet, le cloud gaming. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce Gaming News, je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée, et on se retrouve cet après-midi pour un nouveau gameplay. Vous le savez, tous les matins à 7h, il y a un Gaming News, tous les après-midi, soir, début de soirée, sur la chaîne, il y a aussi un gameplay. Donc, à ce soir, 18h, salut, salut